vie est une route âpre et tortueuse, hérissée de rochers, couverte de lames et d'épines où se trouvent par-ci par-là quelques vallons fertiles et riants. La vie est fatale et corrosive pour tout ce qui ne se fait pas respecter d'elle, et elle ne respecte que la force. Or, la force ne se prouve que par l'effet produit, et l'action exercée sur le dehors qui ne se remue pas, ne produit pas, ne rayonne pas, celui-là est comme s'il n'était point. Moi, je me nomme Tony Kabore. J'ai 35 ans et j'ai un ami d'enfance, il s'appelle Alex, il a 33 ans. Lui, il est toujours célibataire, tandis que moi, je suis marié depuis 3 ans avec une femme magnifique. Elle s'appelle Tina. Elle m'accepte telle que je suis. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent accepter cela à nos jours. Mais la question que je me pose, est-ce que cela va durer plus longtemps? C'est à vous de le découvrir. Comment tu vas? J'aimerais savoir ce que tu veux manger aujourd'hui. Mon amour, tu as un problème? Tu es 6 fois ces derniers jours. Si pensif, à tel point que tu n'as même pas remarqué ma présence. Quel est le problème? Excuse-moi. Pour être franc avec toi, notre situation financière m'inquiète vraiment. Comment ça? Regarde-toi-même. Ça fait pratiquement 1 an que je ne travaille pas. Je peine à avoir un autre. Comment je peux jouer mon rôle de mari dans cette situation? Depuis quand je t'ai connu, ta boutique était pleine de produits alimentaires. Regarde aujourd'hui. Elle est pratiquement vide et ça m'inquiète. Mon amour, tu as raison. Mais je ne me plains pas. C'est Dieu qui l'a fait et il est toujours vivant. Il le fera encore. Mettons toutes choses dans ses mains. Toute situation va changer un jour. Tu trouves? Oui. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu veux manger? Ce que tu veux. D'accord, donc je te fais ton plat préféré. Ça marche. Bébé, bon arrivée. Et ta journée? Je vais bien, Trésor.
Je rends grâce à Dieu quand même. Et l'entretien, tu as eu le boulot? Quel boulot? Regarde toi-même. Ça fait la énième fois que je me promène entre vous. Mais à chaque fois, mes efforts tombent à l'eau. Mais ce n'est pas une raison pour t'emporter. Tu as peur? Qui êtes-vous? Comment voulez-vous? Tu veux savoir qui je suis? Eh bien, tu le sauras. Écoute-moi très bien, alors. Tu as une dette envers moi et tu vas me le payer. Sinon, tes problèmes viennent juste de commencer. Et si tu veux vivre longtemps sur cette terre, tu ferais mieux de me rembourser ce que tu me dois. Et vite. Tu as compris? Rembourse-moi ce que tu me dois. Rembourse-moi ce que tu me dois. Rembourse-moi ce que tu me dois. La seule solution à ton problème est de trouver quelqu'un ou quelqu'une que tu aimes autant sur cette terre. Seul ce dernier peut déclencher ta richesse. De quelle dette tu parles? Je me rappelle de rien. Rends-moi mon chèque, je l'ai vu à la sueur de mon front. Oh, Baba, to jam jam.